Bonjour à tous, bienvenue à la cuisine, à Lulu. Bonjour, alors pour aujourd'hui, je vais commencer par une petite devinette. Qu'est-ce qui est court et qui se jette? Eh bien, c'est la courgette. Alors, comme c'est la saison des courgettes aujourd'hui, je vous présente une recette simple, rafraîchissante, peu coûteuse, diététique, la courgette râpée. Alors, il vous faut une grosse courgette, deux gousses d'ail pelées, un peu de basilic, voilà, de l'huile d'olive, 2 cuillères d'huile d'olive, 1 cuillère de vinaigre balsamique, du sel et du poivre du moulin. Donc, nous commençons par juste couper les deux bouts de la courgette. Voilà, vous coupez la courgette en deux ou trois gros morceaux. Vous la coupez en deux. Vous gardez la peau. Voilà, vous allez enlever juste le milieu, les grosses graines du milieu. Très simple à faire, vite fait. Voilà, vous faites ceci pour toute la courgette. Vous enlevez simplement les grosses graines. Passerait pas très bien à la râpe. Voilà. Lorsque tout cela est prêt, nous passons à la deuxième étape, la râpe. Alors, vous pouvez utiliser soit le robot, soit si vous n'avez pas de robot, il y a aussi la râpe, comme ça la petite râpe à main. Voilà. Alors, donc, passons au robot. Nous allons donc faire la râpe avec nos deux gousses d'ail. Allons-y, c'est parti! Voici l'opération terminée. Nous allons à ce stade-là mettre les 2 cuillères d'huile d'olive, la cuillère d'huile balsamique, ensuite les brins de basilic que nous coupons en petits morceaux au couteau ou au ciseau, comme vous préférez. Voilà. Du sel, du poivre du moulin. Vous n'avez plus qu'à mettre cette préparation, une demi-heure au réfrigérateur, et vous allez vous régaler pour une super entrée rafraîchissante
la courgette râpée. À bientôt. Bisous.